Merci Seigneur, alors que vous êtes debout pour la lecture de la parole. Gloire à Dieu. Revelation 10, we'll pick it up. Revelation 19. Apocalypse 10. Apocalypse 19. Apocalypse 22. So let's go back and pick it up again. Ainsi, reprenons-le encore une fois. Now that you know what happened last Sunday. Maintenant, vous savez ce qui est arrivé dimanche passé. Revelation 10, 8. Apocalypse 10, 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais il sera dans ta bouche, doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. C'est une femme maintenant, elle a une expérience. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. La troisième phase, c'est de vous appeler au souper des noces. Bien sûr, vous vous rappelez de l'inspiration de 74, la première partie, ce serait une révélation pour vous préparer par un avertissement pour un appel. Ainsi, j'espère que la révélation vous a préparé pour l'appel et la voix elle-même vous appellera sur la troisième phase au souper des noces. Comme il appelait sœur Virginia Bellomo en juin 85, l'ange qui lui avait donné l'expérience il y a 3 ans, l'ange avec les ailes déployées avec celui avec le septième sceau, oh gloire à Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui a le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Un mot de prière, notre Père céleste, nous avons lu la parole de Dieu pour les gens, Seigneur, nous avons exprimé quelques commentaires. J'ai pris le temps. Comme tu me l'as dit, Seigneur, gloire à Dieu, puisses-tu ouvrir leur entendement, ouvrir leur esprit à cette heure, car cela va venir ici, Seigneur, cela va passer, s'ils n'ont pas le signe pour l'examiner, ils doivent être poussés à bout, ils doivent se pincer, oh Dieu, sinon cela va passer à travers, ce sera si humble, Seigneur.
et ils ne pourront pas le reconnaître à moins d'avoir le Saint-Esprit pour l'examiner. Ainsi, Père, scelle ceux qui sont ordonnés à être scellés. Réemplis, Seigneur, délivre les captifs, Père. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Et que les anges se tiennent là, Seigneur Jésus, et que ta présence puisse remplir la pièce. Et que son état du sang puisse changer et que cette leucémie soit complètement guérie. Que ce soit un nouvel homme avec du nouveau sang. Oh, merci Jésus. Et console son épouse et les sœurs, les frères, la famille et qu'il sache que tout va bien. Gloire à Dieu. Et bénis les gens ici. Nous les apprécions tous, Seigneur. Et qu'ils puissent comprendre ce que je fais. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, reçois la gloire pour ton Saint-Fils Jésus, en étendant ta main, Père, en remplissant les gens, en accomplissant des signes et des prodiges et des miracles. Nous prions et demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen et amen. Pouvez-vous vous asseoir. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur va parler dans nos cœurs depuis la parole de Dieu. Tout le monde est prêt maintenant. Vous êtes prêts là, dans le coin des Amen. Amen. Tout va bien. Tout est prêt. Maintenant, le titre pour la cassette, la manifestation des croyants de la parole incarnée. C'est vous. Vous allez être manifesté. Dieu sera incarné en vous. Amen. Et Satan sera incarné dans le pape. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. God was incarnate in the prophet. Dieu était incarné dans le prophète. Inspiration. Mon inspiration. This is going to be the bride's testimony. Ce sera le témoignage de l'épouse. Maintenant, mon inspiration. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Parce qu'il a dit, là au verset 10, 11, tu dois prophétiser à nouveau. Et un grand docteur avait demandé à Frère Branham, qui est censé prophétiser, Frère Branham? Il a dit, la parole. J'ai dit, la parole. Si c'est la parole qui va prophétiser à nouveau. Apocalypse 10, 11. Je me suis toujours posé la question au sujet de prophétiser à nouveau. Et ensuite est venu le songe. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange savait que c'était le temps pour la parole. Prophétiser à nouveau. Mais cette fois-ci, la dynamique et la mécanique ensemble, avec des signes, des miracles et prodiges, directement sur le champ. Septième sceau. Là, sur le champ, prouvant ce qu'est le septième sceau, tout comme il l'a fait, et confirmant avec la puissance de Dieu, devant vos yeux. Alléluia. Finalement, nous sommes allés vers l'ange, et nous avons ce livre, et après cela, la manifestation du Saint-Esprit qui s'est manifestée dans les gens pendant plusieurs minutes. Et l'inspiration était directement de pourquoi je suis contre les religions organisées. J'ai pris une citation. Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Maintenant, cela vient depuis 1975, quand je suis allé à Fort Wayne, gloire à Dieu. Là, j'ai prêché 5 messages, et j'ai prêché sur les 7 tonnerres le vendredi soir, 7 voix vivantes, et tout le monde était là, tous les prédicateurs étaient là. Il y avait 1000 personnes, il faisait très chaud là au mois de juillet. Qu'est-ce que cet homme-là, avec les tonnerres, tous les prédicateurs étaient là avec leurs livres et tout, gloire à Dieu. Et lorsque j'ai terminé, 7 voix vivantes, cela a tonné 7 fois. Directement dans le ciel, cela a tonné. Et cela a été enregistré. Et il n'y a personne qui n'a rien dit à ce sujet-là. Et tous l'ont entendu. Ensuite, le soir suivant, je suis revenu. Et le samedi, l'esprit d'épouse dit, viens. Voilà ce que je viens de toucher ici. La manifestation du Saint-Esprit et cet ange. Et le Saint-Esprit a dit, ils vont être confus maintenant, Satan en tonnerre vendredi, mais ce sera l'esprit et l'épouse disant, viens, gloire à Dieu. Et les tonnerres seront à l'intérieur, gloire à Dieu. Tonnant autour de Jeffersonville dans la douceur et l'humilité, gloire à Dieu. Et à New York City aussi. Et aucun démon ne pourra le toucher, gloire à Dieu. Yes, sir. Que s'est-il passé dimanche? Passé, la semaine passée. La parole est sortie pour l'épouse, pour cette saison. Va vers l'ange et prends le petit livre et avale-le. Doux dans la bouche, mais amer dans les entrailles, gloire à Dieu. Et il m'a dit, tu dois prophétiser à nouveau devant de nombreuses nations, des rois et des langues. Et j'ai lu dans
La version amplifiée, tu dois faire une prophétie fraîche concernant beaucoup de peuples, de races, de nations, de rois. Une prophétie fraîche pour la saison, lorsqu'ils vont venir avec l'incrédulité. Une prophétie fraîche va sortir directement du trône. Gloire à Dieu. Je pense que nous avions presque. Et voici une prophétie fraîche qui vient directement du trône. Amen. En d'autres mots, souvenez-vous, Jean représente l'épouse. Ainsi, Jean reçoit une prophétie fraîche ici dans Apocalypse 10, 11. Gloire à Dieu. Et cela vous représente. Vous avez une prophétie fraîche. Gloire à Dieu. Tu dois prophétiser à nouveau concernant ici, à New York City, concernant cette nation, l'Europe et partout, en prêchant ce message. Je peux dire à tous les baptistes catholiques là où ils vont. Je peux dire à vous les pécheurs où vous allez. En ce qui vous concerne, moi prêchant ici, gloire à Dieu. Et cela va sortir avec des signes, des prodiges et des miracles, gloire à Dieu. Et vous ne pourrez rien y faire. Rien. Je peux prêcher concernant le gouvernement, concernant les églises, concernant le pape, concernant les nations, les multitudes, les langues, concernant tous. Chaque mystère a été révélé, gloire à Dieu. Ceci est l'heure maintenant. Oh, hallelujah. Ceci est le message, gloire à Dieu. Hallelujah. Vous feriez mieux de vous réveiller. Oui. Amen. Pouvez-vous asseoir. Tu dois prophétiser à nouveau concernant beaucoup de nations, de peuples et de langues. Un message frais, directement du trône. Dieu incarné, voilé. Derrière des peaux en train de parler. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Un message frais. Qui est ça, frère Coleman? Qui est-ce? Un message frais. Comment pouvez-vous prophétiser à nouveau une prophétie fraîche sans le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie? Voulez-vous dire que ce message va se transformer en esprit de la prophétie? Toutes ces citations et tout. Alors cela va venir comme une catapulte. Frère, cela va retentir aussi vite que vous pouvez presque pas le saisir. Oui, je te dis aujourd'hui, gloire à Dieu. Mon Dieu, et supposez que vous soyez surpris avec votre vie. Ne soyez pas surpris avec votre œuvre inachevée. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Septième sceau, les sept tonnerres, révélant tous les mystères. Voilà le témoignage. Oui. Malachi 4 a restauré la parole à nouveau comme une semence pour l'épouse. Nous prêchons les semences. Et vous recevez des semences. Et alors l'épouse va vers l'ange et prend le rouleau et mange tout le rouleau, comme Ézéchiel et Jérémie. Et alors, Apocalypse 19, elle se prépare par la parole de Dieu. Et elle dit, donne-moi ce livre. Allons Esther, mange ce livre. Il te dira comment te revêtir, comment être, ce qu'il faut faire. Gloire à Dieu, hallelujah. Hallelujah. Elle se prépare par la parole, car le mariage de l'agneau est arrivé et sa femme s'est préparée. Elle se prépare elle-même, gloire à Dieu. Vous ne devez pas la supplier, la persuader, rien faire. Oh, l'église, oui, mais pas l'épouse. Vous devez demander à l'église de venir à l'heure, de louer le Seigneur. Ça, c'est l'église. Gloire à Dieu. Hallelujah. Praise God. Je le dis à l'église aujourd'hui, église, Lot, cours pour ta vie, gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à toi, Lot, cours pour ta vie. Tu n'as pas beaucoup de temps, gloire à Dieu, dans le nom du Seigneur. Membre d'église, cours pour ta vie. Tu n'as pas beaucoup de temps. Hallelujah. Gloire à Dieu. Cela a été parlé et cela sera. Cela a été parlé et cela sera. Une voix, une personne sera sur la terre. Sors de là, Lot. Gloire à Dieu. Échappe-toi. Hallelujah. Hallelujah.
C'est le témoignage de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Elle se prépare. D'où cela vient-il? Une voix. Personne, un ange, sera sur la terre. Abraham est déjà sorti. Nous ne pouvons pas monter avant que l'autre ne sorte. Bon, je vois ce que c'est. Le troisième poule. Les faire sortir du monde. Qu'ils sortent de leurs imaginations. Les sortir de là. Réprimer ces esprits sur eux. Alléluia, gloire à Dieu. Cette épouse, nous devons tarder un petit peu. Prêchant aux éternellement perdus, nous ne pouvons pas monter. Dieu. Ils ont dû rester pendant 7 jours comme témoignage. Et nous allons donner notre témoignage que nous sommes scellés. Alléluia. Nous sommes scellés. Glory to God. Yes, sir. Je ne savais pas comment dire ces choses, mais cela a été parlé ainsi. Je crois que c'est Dieu qui l'a parlé. Alléluia. Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Alors l'Esprit de Dieu vient pour prophétiser par l'Esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus. Voyez comment cela s'adapte. Apocalypse 10, prophétise à nouveau. Quoi? La parole. Alors l'Esprit vient sur la parole. Que celui qui a soif vienne, et quiconque veut qu'il vienne et qu'il prenne les eaux de la vie gratuitement, car le témoignage de Jésus. Si nous savons ce qui est arrivé le 6 novembre, l'ange tend sur la terre par une manifestation du Saint-Esprit. L'Esprit se déverse à la fin de la réunion. Et ensuite, l'Esprit vient sur la parole dimanche passé. L'Esprit est venu à la fin de la réunion pour vous donner un signe. La parole est prêchée et l'Esprit tombe. Qu'il y ait la lumière. L'Esprit est tombé. Il a couvé sur la parole une parole semence. Qu'il y ait de la lumière, c'était la semence. Et le Saint-Esprit est tombé, l'eau. Et il a couvé sur cette semence. Et la parole semence est devenue une semence réelle. Et il y eut de la lumière. C'est ainsi que ce message sera prêché. C'est ainsi que cela sera. Il n'y en aura pas beaucoup, peut-être 50. Mais la terre tremblera à cause de l'impact de la parole de Dieu qui sera parlée parole pour parole. Et les membres de l'Église ne pourront pas le supporter. Ils ne pourront pas rester assis dans l'assemblée. Ceux qui ne sont pas sanctifiés, ceux qui sont légers, ne pourront pas supporter. Il y a trop de puissance. Trop de puissance. Oui, trop de puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne pourrez plus le supporter. Mon Dieu. L'ange. Un signe, la parole, une semence. L'Esprit abreuvant pour faire germer la semence. Gloire à Dieu. Un témoin, New York, Pennsylvanie. La parole a été parlée et l'Esprit s'est déversé. Nous voilà à nouveau. Une église apostolique. Comment le sais-tu? Cela a été prophétisé. Une semence est sortie. Je l'ai. Et il en sera ici. Amen. Okay. Let me coast here a little bit. Catch my breath. Laissez-moi reprendre mon souffle. Combien de fois ai-je lu cela, mais cela va arriver un jour. Gloire à Dieu. Dans la parole par la semence originelle, livre 2, page 56, il dit ici, Philippe avait le germe, le message, la parole. Voilà comment un enfant peut naître. Il a baptisé, et puis est venu l'Esprit de Dieu. Nous retournons à cela. Parlez la parole, et l'Esprit descendra pour sceller. Voilà où nous essayons de retourner. Voilà comment ils sont nés. Nés d'eau et d'esprit, et l'eau et la parole, et l'Esprit vient dessus. Amen. Maintenant, vous voyez des gens véritablement nés de nouveau. Le pape m'a posé une question.
Et qu'est-ce que l'ange a dit? Et voici, donc. Eh bien, je vais répondre au pape. Bien. J'essaie de vous dire ici que voici la prophétie. La loi de reproduction produit selon son espèce, selon Genèse 1, 11. Les baptistes selon leur espèce, les méthodistes selon leur espèce. Vous savez, chaque semence après son espèce. Les incrédules, selon leur espèce, et les soi-disant croyants, selon leur espèce, ils viennent tous dans le message, et l'onction descend. Et puis, après 20 ans, eh bien, ils sont toujours selon leur espèce. Mais l'épouse aussi selon son espèce. Quelle espèce l'épouse? Eh bien, comme Adam et comme Christ. Dans ces derniers jours, l'épouse, parole, sera une super église, super race, alors qu'ils s'approchent de la pierre de fête. Ils seront tellement comme lui qu'ils seront à son image. Afin d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire cela. Ils produiront leur credo et leur dogme, quelque chose d'hybride et de mélange. Qui va produire un produit mélangé. Avant de pouvoir l'épouser, elle était tombée, voyez-vous. Dieu a donné à Christ une épouse. Dieu a envoyé Eliezer, Malachi 4, pour aller chercher une épouse pour Jésus avec la parole. Amen. Ainsi, beaucoup sont venus des faux oints, et après que Eliezer soit parti. Mais maintenant, il y a encore une véritable épouse. Regardez, elle n'a rien mélangé. Juste sa parole. C'est une semence maintenant. Elle a reçu le libre arbitre, tout comme l'épouse d'Adam. Et alors, d'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu va présenter à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Nous parlons de maintenant. Regardez ce message ici. Qui est vierge de la parole? Voyez-vous la prophétie ici en 62? Maintenant, qui est ici dans ce message? Ceci est son message. Et ils le combattent. Mais on ne pouvait pas le dire à ce moment-là. On devait attendre jusqu'à maintenant, voyez-vous. Alors vous allez dans la moisson pour aller à l'aide de ces pauvres brebis. Vous savez ce qu'on m'a dit là, au Mont Carmel, en 1973, lorsqu'un ami m'avait dit, ne vous inquiétez pas avec Jeffersonville, laissez-le tranquille. Et là, j'étais au Mont Carmel. Amen. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il a dit, 1 Corinthiens 2, 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ainsi, laissez ces gens tranquilles jusqu'à ce que le temps arrive, jusqu'à ce que le pape demande, qu'est-ce que l'ange a dit? Et ensuite, ce sera le temps. Ça fait 15 ans de cela. C'était en 63. Il m'a dit Josaphat comme illustration et Achab. Voyez-vous l'imitation là? Michée avait déjà parlé. Et il était tout mélangé. Achab avec le véritable croyant Josaphat, mais Josaphat n'avait pas discernement. Nous sommes tous dans le message, nous sommes tous les mêmes. Et les Syriens étaient descendus pour aller chercher Achab. Et alors Israël était éparpillé comme des brebis n'ayant pas de berger. Il m'a donné cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, lorsque mon peuple, des années plus tard, lorsqu'ils se sépareront de ces hommes leaders et qu'ils seront éparpillés là, dans la moisson, alors je viendrai vers eux. Il a dit, c'est alors que tu iras, c'est alors que tu amèneras la sagesse, le témoignage de Jésus. C'est alors que tu prophétiseras à nouveau, fraîchement, à nouveau. Alléluia! Gloire à Dieu! Et aucun homme ne pourra le réfuter. Oui. Oh, véritable semence, une vierge de la parole, et au travers d'eux et par eux sera accompli tout ce qui a été promis. Ce sera la parole dans la Vierge, je veux dire en nous, ces promesses qui seront accomplies. La parole parlée est-elle en vous? La promesse, cela sera accompli. Les écureuils en vous, cela sera accompli. Cela doit être en vous. Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu.
Ça a été promis pour sa parole dans la Vierge qui ne connaît aucun credo, la parole en elle-même, comme cela était en Marie, Dieu manifesté, agissant par sa propre parole de la promesse, Christ le Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? Christ le Saint-Esprit qui vient sur vous. Mais si vous n'avez pas ce message en vous, il ne peut pas agir. Il ne peut faire que de vous bénir. Ouh. Et alors c'est tout. Mais si vous aviez pris ce message dans votre cœur, chaque parole, l'adoption, la perfection, tout là, alors il peut agir par sa propre parole à l'intérieur, en vous. Parce que c'est la promesse qui est en vous. Mais si vous n'avez rien, que ce sont des épis vides, alors il peut simplement vous oindre et vous bénir, vous donner de la pluie ou du soleil. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que votre esprit s'ouvre maintenant? Gloire à Dieu. C'est pas si difficile, hein? Il agira lui-même par la promesse de sa parole pour accomplir tout ce qui a été écrit à son sujet lorsqu'il est venu par le sein de la Vierge. Ainsi maintenant la Vierge acceptera sa parole, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Cela a été prononcé par un ange, mais c'était la parole écrite. Esaïe, ils l'aimeront, il aura son potentiel car il est la tête et ils sont ses sujets, sujets à la tête, la tête de Christ. Remarquez quelle harmonie. Jésus ne faisait rien avant de le voir faire au Père. Le Père lui montrait premièrement l'harmonie entre Christ et Dieu, 5 Jean 5, 19. De même, l'épouse, il lui montre sa parole de vie et elle prophétise à nouveau. Gloire à Dieu. Et elle la reçoit, elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui nuire, pas même la mort. Rien ne peut vous nuire, pas même la mort. Gloire à Dieu. Car si la semence est plantée, l'eau va la faire ressusciter. Tenez ferme à cela, sœur Wilps. Maintenant j'ai un grand hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Voici le secret. La parole est dans l'épouse. Et la pensée de Christ, l'esprit, pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse avec la parole. Et elle le fait en son nom. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Gloire à Dieu. S'appelle la parole de Dieu. Elle a ainsi dit le Seigneur. Alors cela est germé, le Saint-Esprit l'abreuve, jusqu'à ce que cela soit arrivé à maturité, que cela serve à son but. Ils font seulement sa volonté. Amen, je crois cela. Personne ne peut les persuader d'autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, sinon ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, lui-même en eux, continuant ses œuvres, les accomplissant, tout comme lorsqu'il était là. Il n'a pas tout accompli quand il était ici, car ce n'était pas encore le temps. Voici le prophète qui nous dit ce qu'il faut faire. Maintenant, tenons-nous comme Josué et Caleb. Regardez attentivement ici maintenant. Tenons-nous comme Josué et Caleb, alors que nous voyons la terre promise qui s'approche. Josué, en hébreu, signifie sauveur. Il représente le leader de la promesse du temps de la fin pour emmener l'épouse. Et Caleb représente le véritable croyant qui est resté avec Josué. Il est Caleb prédestiné, ils sont toujours là. Le Saint-Esprit, Josué est toujours là. Et il va vous faire traverser. Traverser dans le pays promis qui ruisselle de lait et de miel. C'est un bon pays. Alléluia, gloire à Dieu. Oh! Le véritable croyant qui est resté avec Josué. Il a commencé avec une vierge, sa parole. Alléluia. Voyez-vous, page 61, Dieu a promis à Malachi 4 pour les derniers jours. Et le pape il a dit, qu'est-ce que l'ange a dit? Voici ce qu'il a dit. C'est mon message au pape ce matin, selon le rêve. Et j'espère que vous saisissez. Gloire à Dieu. Voyez-vous, Malachi 4 a été accompli comme en 62, mais cela doit être accompli pour que la parole de Dieu soit germée. Jésus y a référé juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Écoutez attentivement, toutes les écritures qui n'ont pas été accomplies doivent être accomplies juste avant ce temps-là. La Bible doit être terminée. La Bible doit être terminée. Voyez-vous, être terminée. La dispensation des nations doit être terminée avec les âges de l'Église. Lorsque ce message, messager loin arrive, bien sûr, il va planter les semences de toute la Bible, depuis la semence du serpent jusqu'à l'Apocalypse, dans la première pluie, ensuite sera rejeté par les dénominations, comme Jean, Élie,
Cela avait été parlé par le Seigneur, comme Élie, la première fois, et au temps d'Agab. Cela devrait être ici, dans ce pays, alors que ce pays est un type d'Israël. Ensuite, dans la dernière pluie, viendra un spectacle final du Mont Carmel. Jean-Baptiste et Malachie 3 ont été rejetés avec les Sadducéens et les pharisiens. Jésus est venu, et il a eu son showdown du Mont de la Transfiguration, et dans ce message, dans le temps où la dernière pluie et la première pluie viendront, Jésus était le showdown. Mais lorsqu'il viendra, le showdown sera l'enlèvement de l'épouse. Le premier était le Mont Carmel, le deuxième le Mont de la Transfiguration, et le troisième sera le Mont Sion, gloire à Dieu. Je crois qu'un jour, la véritable épouse de Christ, regardez, sera forcé d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible l'a prophétisé dans Apocalypse 13, 16. Les dominations vont forcer d'arrêter de prêcher ou de prendre sa marque. C'est lorsque l'agneau emmènera son épouse et jugera la prostituée pour cela. Les amis, nous savons dans quelle heure nous sommes. Ceci est une prophétie fraîche. J'essaie de vous réveiller. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Et ici, il parle de lui. Page 63, il sera consacré à la parole de Dieu, confirmé par la parole de Dieu. Il va confirmer que ce qu'il prêche est la vérité, comme il a fait avec Élie, préparant pour l'enlèvement du mont Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa prédication sera avec l'esprit, directement dans la ligne de la parole, la vérité de Dieu. Beaucoup ne comprendront pas ce véritable messager. J'ai écrit ici prophétie. Il prophétise ici, vous voyez. Pourquoi est-ce que les scribes disent-ils qu'Élie doit-il venir premièrement? Eh bien, ils ont mal compris cet Élie, et ils l'ont mal compris dans le message. Et il a écrit ici prophétie. Beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque vous revenez ici avec ce que le message a dit, ils ne le croient pas. Ainsi, ils ont mal compris. Ils pensaient que ça signifiait quelque chose d'autre, voyez-vous. Et cela n'arrivera pas comme ça. C'est dans leur pensée. Souvenez-vous, les amis chrétiens, je suis un homme, je peux faire des erreurs, mais Dieu est Dieu, il ne peut pas faire d'erreurs. Toute la parole qui a été écrite doit être accomplie. Jésus l'a dit ainsi. Si nous avons des choses dans les Écritures qui doivent être accomplies. Et c'est l'une des choses, ce boycott qui doit arriver. Comprenez-vous, New York, le boycott doit être accompli dans nos jours. Mais vous devez être préparé. Cela doit arriver, cela, c'est frais pour sa saison. Nous sommes toujours au jour de la voix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Des réserves. Et ce boycott, je pense, est réel pour vous maintenant. Ce boycott doit venir, mais avant que le boycott puisse arriver, la marque de la bête, il doit y avoir des semences qui doivent être semées pour que Dieu puisse enlever son église. Voyez-vous ce que nous faisons? Nous essayons de semer des semences pour vous faire sortir une semence des sept tonnerres afin que vous ne soyez pas surpris dans le message. Mort dans le message. Comprenez-vous maintenant? Une semence doit être semée. Les dénominations qui forment une forme de la bête. Et page 65, ce ministère ici doit nous tailler, nous polir à un endroit où nous faisons les œuvres de Jésus, parce que nous arrivons à la pierre de fête qui va, car un enlèvement viendra, ils seront enlevés et ils partiront dans les cieux, non pas une dénomination, mais une église de la parole de Dieu. Oui, monsieur. Et je prends cela directement de la prophétie. J'ai presque terminé maintenant. Ainsi, vous comprenez votre jour. Lorsque l'esprit tombera, ce sera un mouvement. Alors les dénominations, aussi sûr que je me tiens à la chaîne. Comprenez-vous ce que je dis? Lorsque la dynamique tombera sur vous, elle tombera sur eux aussi. Ce sont des semences que le prophète a plantées qui vont se rassembler. Et nous sommes des semences aussi. Et nous allons nous rassembler. Mais il faut la dernière pluie pour que toutes les semences produisent ce qu'elles sont censées faire. Vous avez saisi maintenant? Il y a des semences négatives et des semences positives.
Le prophète a prophétisé concernant les nations, les multitudes et tout. Toutes les semences sont sorties de sa bouche pour la génération entière, y compris le tremblement de terre, jusque la cité, la pyramide, la demeure de l'épouse. Voyez-vous maintenant, est-ce que cela devient vivant pour vous? Est-ce que cela devient vivant? Amen, ok. Pouvez vous asseoir. Lorsque l'esprit tombera, nous parlons de la dynamique qui est ici maintenant, ici à New York, à Tulsa, Canada, frère Gabriel, Luke, Frank Cronkite. Cela commence à tomber à Fort Wayne et chez frère Westco. J'ai dit à frère Gabriel, va en France, il l'a amené là-bas et c'est tombé. Et frère Robledo en Afrique du Sud, et cela est tombé. Cela avance. Et là, lorsque cela avance avec les véritables croyants, cela avance aussi avec les incrédules, et cela les ramène ensemble. Alors ils sont censés faire certaines choses que le prophète a dit qu'il ferait, un boycott, une pression. Ils vont faire cela parce que cela a été prophétisé, ils vont le faire. Ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Oh. Et nous n'avons pas le contrôle sur le fait de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Nous n'avons pas le contrôle. Cela doit être fait. C'est en nous. Nous devons être comme Jésus. Nous n'avons pas le contrôle. Gloire à Dieu. Nous devons le faire. Nous marcherons dans les rues, les infirmes ne pourront pas rester infirmes, les aveugles ne pourront pas rester aveugles. Leurs yeux devront s'ouvrir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez saisi. Je pensais revenir là-dessus afin que vous puissiez comprendre que ces gens là-bas, eh bien, ils avancent aussi. Ainsi, ne pensez pas que vous avancez et qu'ils n'avancent pas. Vous avez saisi maintenant? Ils doivent tous avancer parce que lorsque la pluie tombera, eh bien, ce sont des semences différentes. Et chaque semence produira selon son espèce. Et il y a des choses qu'ils sont censés faire en cette heure. Et Dieu est celui qui les fait se rassembler. Mon Dieu, lorsque l'esprit tombera, un mouvement viendra dans les gens. Voyez-vous, ils vont recevoir une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voyez-vous, parce qu'ils n'aiment pas la vérité ici, ils recevront un esprit d'égarement pour croire un mensonge. Et ils peuvent être dans le message et payer leur dîme et être là. Et ils sont damnés. Oh, c'est puissant. Je sais que c'est puissant. Et je pense que je dis, parce que ça peut libérer quelqu'un ici. Gloire à Dieu. Je pense que je dis et que cela écorche. Oh, cela fait mal. Je sais que ça fait mal. C'est pour ça que je le dis. Gloire à Dieu. Pour vous réveiller. Ils se rassembleront, aussi sûr que je me tiens debout ici à la chair et l'église de Dieu. Ils vont faire une telle chose au point, ils vont se confédérer, créer un boycott. Rome va gouverner le monde pendant une heure. Ils vont gouverner, non pas le communisme, mais le romanisme va gouverner le monde avec la coopération des protestants. C'est aussi autant que je sache la parole de Dieu. Mon Dieu, je suis surpris. Nous avons transmis cette prophétie comme cela. Une prophétie fraîche doit sortir pour avertir les gens. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. J'en ai trois messages d'affilée. Le 30, le 6 et puis ici le 13. Ça doit être la parole incarnée de Dieu en vous pour la manifestation des croyants de la parole incarnée. Croyez-vous cela? Bien. Alors, où avez-vous ce titre-là? Les croyants de la parole incarnée. Eh bien, c'est un étudiant, mais sauf comme je suis censé le faire. Et c'est ce que je donne pour l'église entière. Et j'espère que vous aussi, vous étudiez votre message.
gonna mark your papers now. Don't think you ain't gonna have a test. So he gonna mark your papers soon. Amen. Oh, hallelujah! Praise God. You better no more than your twice timetables. Praise God. Yes, sir. Now, page 246 on the third seal. Page 246 dans le troisième sceau. Adam et Ève avaient abandonné leurs droits, tout comme Ève avait abandonné ses droits dans le jardin d'Éden. L'Église, l'épouse de Christ, a fait la même chose à Rome. Lorsqu'ils ont abandonné la Bible pour les dogmes et les credos, elle a abandonné la parole vertueuse, la parole de Dieu, la Bible, le livre. Voyez-vous, ils ont mis des hommes là en disant qu'ils ont le droit de changer les choses dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'épouse pentecôtiste a vendu son droit d'aînesse à Nicée, tout comme Ève l'avait fait en Éden. C'est exactement vrai. Dieu a promis à cette église, l'église pentecôtiste, sachant qu'elle le ferait, comme Ève, Dieu a promis. Croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse? Certainement, c'est ce qu'elle l'a fait. Ainsi, à quoi sert un credo qui n'est pas basé sur la Bible? Ainsi, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Dieu a promis à l'Ève spirituelle, de la même manière dont il avait promis à l'Ève naturelle, de restaurer, dans les derniers jours, il va restaurer l'Église dans la parole originale. Regardez ici attentivement, je veux que vous soyez sûrs maintenant, Dieu a promis la même chose. Le temps viendra où la parole sera restaurée par sa semence. Cette parole elle-même deviendra semence. Comprenez-vous cela? La parole ici, vous lisez, c'est la parole. Malachi 4 viendra et il va tirer la parole pour ce jour et cela deviendra une semence. Et le voici, c'est ici, des semences. Alors si vous plantez cela et que vous l'abreuvez, cela doit produire exactement ce que c'est. My God. All right, you got it, huh? Très bien, vous avez saisi. La parole, cette parole elle-même deviendra semence. Je viens de vous dire qu'il plantera quoi? Depuis la semence du serpent jusqu'au message, la semence de la Bible entière, chaque mystère deviendra une parole semence, un message. Et c'est ainsi que vous devenez incarné. Hey, wake up. Réveillez-vous. Revelation's pouring in. La révélation se déverse. Praise God. Gloire à Dieu. My God. Mon Dieu. What's coming in? I feel it going in. Oh, je sens que cela entre. Yeah. Oui. La parole elle-même deviendra une semence. La Bible entière deviendra une semence. Mais lorsqu'elle a reçu un substitut, eh bien, elle a accepté ce substitut. Voyez-vous, et la parole est l'expiation. Vous êtes sauvés, beaucoup sont sauvés par l'expiation. Mais ceci est la plénitude de l'expiation. C'est la différence. Une portion. Mais ceci est l'expiation dans sa plénitude. Le trône de miséricorde lui-même. Et lorsque la parole est venue vers elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne le veux pas. C'était trop humble lorsque cela est venu. Cela ne lui semblait pas juste. Ce n'était pas assez bien poli. Et lorsqu'il est venu lui-même, ils ne l'ont pas aimé. C'est toujours ainsi lorsque frère Branham est venu. Des sept sceaux et qu'est-ce que c'est? C'était trop humble. Où sont les grandes choses comme marcher sur les océans et tout ça? Voyez-vous, ce n'est pas arrivé comme cela. La parole est venue. Et page 250, c'est la même chose que l'épouse. Ils ont écouté le substitut, mais Dieu a promis la chose réelle. Et lorsque la chose réelle est venue, ils n'ont pas voulu parce que c'était trop humble. Voyez-vous ce que je dis maintenant? Ils n'ont pas voulu, c'était trop humble. Et d'un pouce à bout ici, je crois que je l'ai dit dans ma prière, ce sera si humble que vous le manquerez. Si vous n'avez pas le signe là pour l'examiner.
Vous ne saurez même pas ce que c'est. L'ange sera là dans l'église. Tout comme dimanche passé et ce matin. Il y en a qui sortent, vous savez. Ils ne savent même pas, ils ne comprennent même pas. La manifestation du Saint-Esprit est l'ange. Et cela va traverser, si vous n'avez pas le signe, en vous pour l'examiner ou pour le comprendre. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Ainsi, ils l'ont manqué, voyez-vous. La parole de Dieu, vivante, manifestée dans la chair, par la parole qui a été promise, la parole promise. Ainsi, nous arrivons ici à ce réveil, page 253. Maintenant, voilà la raison aujourd'hui pour nous avons les réveils dénominationnels. Mais ne pensez pas que nous avons eu de réveil. Non, non. Il y en a des millions de membres d'église, mais pas encore de réveil, en aucune manière. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil, aucune manifestation de Dieu pour réveiller l'épouse. Voyez-vous, nous nous y attendons. Mais il faudra ces sept tonnerres inconnus pour la réveiller à nouveau. La réveiller à nouveau. Il les enverra, il a promis, voyez-vous. Nous y voilà. Eh bien, gloire à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Voyez, nous devons être prêts pour cela. La manifestation des sept tonnerres va arriver. Et cela va traverser et ce sera l'ange. Le réveil des sept tonnerres passe par ici. Alléluia. Faites simplement confiance et obéissez. Oui, page 255. La seule chose à faire, c'est d'être heureux, d'être à l'intérieur. Voyez-vous, soyez heureux ici. C'est tout. Soyez prêts pour cela. Soyez heureux et soyez prêts. Très bien. Dieu a promis dans les derniers jours qu'il manifesterait, il confirmerait sa parole. Dieu a promis par ses serviteurs et par Jésus-Christ, il a promis par Joël, il a promis par Paul, il a promis par Malachi 4, par Jean, de l'Apocalypse, tous ces prophètes, exactement ce que serait ce dernier message. Et si vous voulez l'écrire, bien, vous les connaissez, Jésus, Saint Jean 14, 12, Joël 2, 38, Paul 2, Timothée 3, voilà l'Église. Et voyez-vous, il l'a mis là, l'église. Malachi 4, ça c'est pour l'épouse. Jean, Apocalypse 10, 1 à 7, voilà les sept sceaux, les sept tonnerres. Ça c'est pour aujourd'hui. Exactement. Ce qui arriverait maintenant. Regardez ce qu'il dit ici maintenant. Et pour l'église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée rendue, faite chair au milieu de son peuple à nouveau, et il ne le croit pas. Gloire à Dieu. Et alors je lisais, et j'écoutais la cassette, et je continuais à écouter le sujet du pape, ce qu'il fait, et l'antéchrist, et tout à coup, page 264, en parlant de cet esprit qui entre là, qui entre dans un homme, et cela devient le faux prophète. Voyez-vous, parce qu'il n'avait personne, il devait entrer dans ce corps, c'est cet évêque qui est devenu un faux prophète. Les trois phases, tout comme l'église antichrist, ainsi l'épouse passée par la réformation, la réforme, sanctification, baptême de cet esprit, et ainsi de suite. Premièrement, le réveil, et l'église le prend ensuite, voyez. Ils ont pris le leur, et puis nous prenons le dernier. Et voici où j'ai pris cela. Les trois premières années, j'ai presque terminé, les trois premières années, les trois premières étapes au travers des âges sombres. Ensuite, le troisième, l'Église est passée au travers de la sanctification, la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit, à nouveau, et Malachi 4, Dieu incarné, manifesté au milieu de nous, il le répète à nouveau. Il vient ici comme l'antichrist, le faux prophète, la bête, les âges sombres. Ensuite, l'Église arrive hors des âges sombres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, des croyants, paroles incarnées. Je suis un croyant, parole incarnée. Mon Dieu! Voyez-vous cela? Luther, Wesley, la Pentecôte, et puis
les croyants, parole incarnée. Qu'est-ce qui est sur nous? La manifestation des croyants, parole incarnée. Allez vers l'ange et prenez le livre afin que vous puissiez avoir la parole de Dieu incarnée en vous et l'Esprit du Seigneur viendra sur vous en témoignant. Gloire à Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oui, monsieur. Vous savez qui vous êtes maintenant? Vous pouvez vous asseoir. Numéro 4, la parole. L'appel ici maintenant. Les croyants, parole incarnée. Le pape descend et l'église monte. C'est aussi parfait que cela peut être. Satan descend. Satan dans le pape. Il ne veut pas un autre démon là, il veut lui-même. Alors il fait sortir le démon du pape et il entre lui-même avec sa personne. Vous savez ce dont je parle? Il devient incarné dans le pape. Il devient la bête. Et en même temps, Christ devient incarné dans les croyants. Juste avant la période de la tribulation. Nous en touchons un petit peu la marque. Mais observez le troisième pôle alors. Seuls les croyants, parole incarnée, pourront parler cette parole. Alléluia. Cela devrait vous faire persévérer et aller de l'avant. Alléluia. Vous avez saisi. Dieu incarné, manifesté au milieu de nous. Malachi 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse. Et l'épouse, maintenant. Maintenant, comprenez-vous. Apocalypse 10, 8 à 11, la parole incarnée. Comprenez-vous maintenant. Apocalypse 22, 17, l'esprit qui vient sur l'épouse pour prophétiser. Maintenant, comprenez-vous. Apocalypse 19, une manifestation et l'épouse s'est préparée. Vous y voilà. Oh, où nous tenons-nous? Saint Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le témoignage de Jésus, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Gloire à Dieu. Voilà où vous vous tenez avec la parole en vous. Prophétisez à nouveau l'esprit de la prophétie pour les croyants de la parole incarnée. Voyez-vous, c'est lorsque Dieu et l'homme deviennent un. Lorsque la parole et les croyants deviennent un. Oh, quelle heure! Oh, je peux à peine attendre. Seigneur, je termine ma course. Et nous sommes de retour à cette parole parlée. Nous y sommes. Nous sommes là. J'ai terminé. Gloire à Dieu. J'y suis. Nous sommes, cela est entré. Alléluia. Okay, you may be seated. Okay, musicians, I'm about 10 minutes. Musiciens, 10 minutes maintenant. Je suis en train d'enfoncer le clou ici. Je crois que je suis arrivé juste au point. Yes, sir. Oui. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise glory. Gloire à Dieu. Look at these incarnate word believers. Regardez ces croyants, paroles incarnées, qui louent le Seigneur, qui crient, qui savent d'où ils viennent. Ils savent qu'aucun démon ne peut les toucher. Gloire à Dieu. Alléluia. En sachant que leur famille ne peut pas s'en aller et que s'ils s'en vont, eh bien, ils seront ressuscités, que les morts en Christ se relèveront. Gloire à Dieu. Amen, frère. Gloire à Dieu. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que dans le songe de sœur Laura, il y avait une grande église, il y avait environ 1000 personnes et toute sa famille était là, et fils et Angie. C'était un grand. Et le groupe A et le groupe O étaient ensemble. Ainsi, elle savait que c'était pas dans une convention et j'étais devant l'église. Puis il y avait deux cercueils là et j'ai dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et alors le cercueil s'est ouvert et les paupières de Frère Branham se sont ouvertes et puis il y avait son épouse et puis ils se sont relevés. Et quand ils sont sortis du cercueil, alors des civières sont arrivées et puis quelqu'un s'est précipité et puis les cercueils étaient partis, les civières étaient parties et Frère Branham se tenait là avec un vêtement blanc. Et ils sont venus, ils se sont avancés. Tout le monde était rassemblé autour de cette merveilleuse résurrection. Et quelqu'un a dit, appelez la télévision, appelez la radio. Alors une voix a dit, non, non, ce n'est pas pour eux. C'est seulement pour l'épouse. C'est seulement pour l'épouse.
Je monte dans la première résurrection. Je monte dans la première résurrection. Oui, c'est seulement pour l'épouse. Libre, libre, libre. Vous êtes libre, libre. Gloire à Dieu. Oh là là. Amen. Encore quelques citations, vous pouvez vous asseoir. J'essaie d'arriver ici depuis 20 ans et je crois que j'y suis arrivé ce matin. Dans le premier livre, je pense ici, la parole par la semence originelle, page 32. Voici, quand Dieu et sa parole deviennent un, alléluia. C'est lorsque l'Esprit de Dieu abreuve la semence de Dieu. Voilà, là où j'essaie d'arriver, ils deviennent un, alors l'eau abreuve la semence. Amen. Lorsque Dieu et sa parole deviennent un, va vers l'ange, cherchez la parole. L'Esprit, l'Apocalypse 22, vient dessus. Alors vous devenez un. Alors il abreuve chaque semence que vous parlez. Qu'il est de la lumière. Il abreuve la semence. Lève ton nom de Jésus-Christ et il abreuve la semence. Ressuscité. Chassez les démons et il abreuve la semence. Voyez-vous ce que je dis? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Ça devrait faire crier un Mooney ou n'importe qui. Gloire à Dieu. Quand vous voyez une promesse, ma promesse. Alléluia. Je ne peux plus me contenir. Dieu et sa parole deviennent un. C'est lorsque l'Esprit de Dieu abreuve la semence, la parole de Dieu. L'ange a le livre. Vous le prenez, vous mangez le livre. Vous le digérez, il est doux. Vous n'avez pas peur de vous tenir debout et de témoigner qu'il vous appelle un chien ou quoi qu'il vous appelle un saint comédien. On n'est pas peur. Vous n'avez pas peur. Et vous dites... Je suis bien heureux. J'ai traversé tout ça quand, lorsque j'étais un facteur. Là, il m'appelait Rev. Voyez-vous, comment Dieu a fait. Et puis nous étions là dans le centre de tri avec toutes sortes de magazines qui venaient. Et puis il me disait, garde tes yeux loin de là, Rev. J'ai traversé tout ça, voyez-vous. Et j'ai dit, tas de démons. Et puis je sais où vous allez terminer. Ils ne pouvaient pas me faire taire. Je n'avais pas peur d'eux. Je leur répondais. Oh, ne rendez pas la chose si difficile. Mais je dois le rendre si difficile. Gloire à Dieu. Et un jour, nous étions là dans la salle de tri, et l'un, George Way, il est venu avec son poing. Il a dit, hé, mon gars. Il a dit, écoute, Rev, tu vois mon poing? Et tu es censé tourner l'autre joue. J'ai dit, quel démon, là. Il est presque le temps de rentrer. Il était fatigué. Tu vois mon poing, mon gars? Laisse-moi te casser la mâchoire. Et je vais voir si tu vas tendre l'autre joue. Il dit, voilà ma joue. Mais j'avais cet œil qui le regardait. Il dit, vas-y. Tout le monde était gelé là. Je dis, vas-y, casse-moi la mâchoire. Ma joue est tournée, mais mon œil. Je tourne ma joue, mais pas mon œil. Il était là avec son poing. Il a dit, j'aime pas la manière dont tu me regardes. Eh bien, ça dépend de toi. Mais j'ai tourné ma joue. Yes, sir. J'ai pas tourné mon œil. Veillez et priez. Bon, allez, veillez et priez. Veillez et priez. Pour que l'ange vienne les emporter. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un fou. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Don't play the fool with me, man. Ne jouez pas au fou avec moi. Praise God. Alléluia. Where do you think you wound up at? He stole some wretches. Et voyez-vous où il s'est où il a terminé. Il avait volé des choses et puis là il était à New York City dans une prison à Attigan. Et là il s'est fait tuer par les gardes parce qu'il m'avait dit de tourner ma joue. Vous voyez, ça peut prendre un certain temps. Mais ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Oh, I'll take your stand. Prenez position. N'ayez pas peur des démons. Gloire à Dieu. Hallelujah! Hallelujah!
Oh, je ne sais pas. De cela est venu. Peut-être que ça pourrait aider. Ça peut peut-être aider un jeune. Amen. Et je suis passé par là. Yes, sir. Alléluia. Maybe see that's not being in church, that's on a job in the street. Voyez-vous, c'est pas à ce moment-là à l'église, mais c'est au travail, dans la rue, et tous ces démons. Vous feriez mieux d'avoir de la puissance, parce que tous ces démons vous défient, gloire à Dieu. C'est Dieu, vous êtes mort, ce n'est plus vous. Vous vous considérez comme mort, vide, attendant que le germe de la semence, ce n'est plus vous, c'est Dieu dans l'homme, c'est le germe semence, comme la parole parlée, la parole de Dieu rendue manifeste dans l'homme. Ainsi, ce n'est plus l'homme, mais c'est l'homme qui est mort. Ça ne peut pas être un hybride. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être les deux. Vous devez être... C'est soit un fils de la mort ou un fils de la vie. Ainsi, c'est un fils de la mort. Ainsi, tournez-le au diable et laissez-le le tuer. Laissez-le tuer le démon qui est là. Ensuite, laissez Dieu planter sa propre vie. Alors, ce n'est plus vous, mais c'est la vie de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Abreuvé par le Saint-Esprit, et cela produira les mêmes choses, voyez-vous. Vous y voilà. Gloire à Dieu. Page 34, maintenant vous dites, pourquoi la Bible doit être en vous. La parole est une semence, et aussi longtemps qu'elle reste là, cela ne fera rien de bon. Mais lorsqu'elle entre là, dans le cœur, alors elle commence à se manifester par le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, les visions, la puissance, tout cela vient. Tout ce que vous savez est parti, vous ne devenez rien, Christ devient la vie, vous mourrez et il vit. Parce qu'il vit, alors je vis aussi, et quand je meurs, il m'a promis la vie, je meurs à moi-même, afin que je puisse avoir sa vie. Et comment puis-je le faire? En prenant sa parole, sa semence, mettre sa semence ici par la foi, et le croire, et cela va produire exactement ce que la Bible a dit. Combien croient cela? Eh bien, dites gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Now I know you believe it, amen. Maintenant, je sais que vous le croyez. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, yes. Yes, Lord. Oui, Seigneur. My God. Amen. You may be seated. Just about 5 minutes. I'm almost finished, man. Encore 5 minutes, j'ai presque terminé. Yeah. Pas encore une heure. Prédication, partie de la prédication, c'est un petit message ici. Page 36. Ainsi que Dieu pouvait accomplir ses œuvres au travers de Jésus, son fils prédestiné, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Comme nous avons vu dans Genèse 1:1, il était là, prédestiné à prendre sa position. C'est la raison pour laquelle il était la parole manifestée et chacun des autres fils aura la même manifestation, et ce sont ceux qui sont prédestinés. C'est vous, les croyants, parole incarnée. Nous avons les mêmes manifestations. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Deux citations ici, page 42. Ainsi, croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Voyez-vous, vous avez saisi? Les croyants, la parole et l'esprit. Et dimanche passé, nous sommes revenus à cela. Pendant toutes ces années, finalement, nous sommes là. La parole et l'esprit. Vous savez ce qui se passe maintenant? Si nous sommes avancés dans la parole et dans l'esprit, comme au jour de la Pentecôte, alors que Pierre prononçait la parole, l'esprit est tombé. Voyez-vous, j'avance. Nous y sommes. La parole et l'esprit sont absolument un. Vous n'utilisez pas votre propre pensée, votre esprit. La pensée de Christ est en vous. La pensée de Christ qui prend la parole de Dieu, tout comme il l'a fait, parce qu'il était la parole. Et là, si la pensée de Christ est en vous, vous êtes la parole de Dieu. Ses représentants ici sur la terre, continuant les œuvres de Christ. Et ainsi, la Bible est manifestée à nouveau, comme dans les premiers jours des disciples. La Bible vit à nouveau en vous. Oh, merci Seigneur pour ce jour. Gloire à Dieu. Ainsi, où l'épouse se tient-elle en cette heure? Page 55 ici. Qu'essaie-t-il de faire? Ils essayent d'imiter la dernière pluie, c'est un non-sens. Cette dernière pluie va balayer le monde. Il y a une première pluie, la pluie de l'ensemencement. Mais maintenant, vous voyez ce que produit la dernière pluie.
Voyez-vous, les pentecôtistes, ils vont s'affilier, puis ils vont fermer les portes, et vous n'aurez même plus le droit d'ouvrir la bouche. C'est alors qu'il viendra. C'est alors où vous verrez la pluie. Oh là là. Restez tranquille, laissez tout cela passer. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, petit troupeau. C'est le bon plaisir de mon Père de vous donner le royaume. Ainsi, les amis, cette heure est sur nous maintenant. Et nous devons sortir maintenant. Nous ne pouvons plus traîner. M'entendez-vous, ce matin et ce soir, mercredi soir, et où que vous soyez, en Pennsylvanie, nous ne pouvons plus traîner parce que nous sommes allés vers l'ange. Oh, je ne sais pas. Nous, si vous comprenez, nous sommes déjà allés vers l'ange. Nous y sommes. Nous devons sortir et exprimer la parole parlée de Dieu, Malachi 4, le message pour cette heure. Nous devons le faire, c'est un impératif. Quelqu'un doit le faire. Trouvez-moi un homme dans lequel je puisse mettre ma parole. Dernière citation, les sept sceaux. Saint Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et demeura parmi nous. Dieu habitait parmi nous. Avant d'être une parole, c'est une pensée. Ainsi, les pensées de Dieu sont devenues la création lorsqu'ils furent parlés par la parole. C'est alors qu'il vous le présente comme une pensée, votre pensée. Cela vous est révélé. Alors c'est encore une pensée jusqu'à ce que vous le parliez. C'est la raison pour laquelle Moïse et la colonne de feu était autour de lui. Et avec son bâton, il a appelé les mouches. Et il a tendu son bâton, il a dit qu'il y ait des mouches. Let the light come. See? Et, voyez que la lumière vienne. Il n'y avait pas encore de mouche. La pensée de Dieu, la parole avait déjà été parlée. C'est une parole maintenant et cela doit arriver. Ainsi, toutes ces promesses qui sont prêchées ici maintenant depuis octobre sont une parole maintenant. Et cela doit arriver. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais c'est une parole maintenant. Gloire à Dieu. J'ai terminé. La parole parlée de Dieu sont les pensées de Dieu exprimées. Alors, elles deviennent création lorsqu'elles sont parlées, exprimées par une parole. C'est ce qu'il a dit ici, page 242. C'est lorsqu'il vous le présente comme votre pensée. Malachi 4, vous venez dans le message ici, vous êtes assis là et vous lisez les brochures. Le Saint-Esprit vous dit, c'est à vous, c'est à vous. Vous êtes l'épouse, je vous ai appelé, c'est à moi. Oui, c'est une pensée. Alors, cela devient votre pensée. Oh, c'est à moi. Le mien, Jésus est le mien. C'est à moi. Voyez-vous, c'est votre pensée. Et numéro 3, c'est votre pensée. Et tout à coup, cela vous est révélé. Moi? Wow! Sept tonnerres! Maintenant vous l'avez. Votre pensée. C'est votre pensée. Et puis ça vous est révélé. Et cela doit être parlé. C'est doux. Dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Ça vous est révélé. Numéro 4. C'est encore une pensée jusqu'à ce que vous le parliez. Maintenant, vous comprenez? Le 20 septembre, c'était ma pensée. Cela me fut révélé. Mais parle-le. Oh mon Dieu. J'ai les tonnerres. Parle-le. Si tu ne parles pas, c'est juste une pensée. C'est pas une parole. Ainsi, je l'ai parlé. Gloire à Dieu. Et maintenant, la parole parlée en sa saison, combien elle est bonne. Moïse a dit, mouche, la pensée de Dieu avait été parlée, maintenant c'est une parole, cela doit arriver. Voyez-vous, se tient l'épouse aujourd'hui, voyez-vous, l'heure c'était où vous tenez aujourd'hui. Après avoir parlé, les semences, les sept tonnerres, perfection, l'adoption, la dynamique, le nouveau nom, la parole parlée, la restauration des familles, les enfants, les parents, voyez-vous, vous tenez maintenant. Alléluia! Je sais où je me tiens, gloire à Dieu! Je sais d'où je viens, gloire à Dieu, amen! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Frère Paul, gloire à Dieu. Les pensées cachées de Dieu ont déjà été parlées par Malachi 4 et son épouse.
La parole semence, maintenant cela va être abreuvé et cela doit arriver. Une manifestation des croyants, parole incarnée, qui vont rendre témoignage de Jésus par l'esprit de la prophétie. Gloire à Dieu, amen. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Glory. Gloire à Dieu. Oh, let's just praise him and thank oh, louons-le, remercions-le. Gloire à Dieu. Louez-le simplement. Bénissez le nom du Seigneur. Il est ici maintenant. L'ange est ici. La parole est sortie. C'était une semence. Et maintenant, il est en toi, Marie. Vous pouvez dire, Seigneur, l'ange est ici. Je peux être scellé aujourd'hui. Je peux être rempli maintenant même. Je peux être guéri maintenant même. L'ange est ici. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, hallelujah. Priez pour moi. Je sais dans quelle heure nous sommes maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci Jésus. Oh, l'ange est là. Il est ici. Que Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Woo. Worshipper. Give him glory. My soul. Oh. From the bottom of my heart. Hey, to the depths, down deep in my soul. Yes, Lord. Woo! Yeah. Oh, completely. Yes. Give me that old time religion. Give me that old.
He's here! Woo! Oh, he's here!